Ça va, Yves ? Julien Aubert réunit ses militants et soigne surtout sa popularité. Réélu de justesse député du Vaucluse en juin dernier, il revient de loin et croit en son étoile. Julien Aubert, pourquoi vous seriez meilleur président que Laurent Wauquiez, vous ? Moi, je pense qu'un président d'un parti politique doit être au Parlement. Parce qu'aujourd'hui, le vrai combat que nous avons, finalement, il se noue au Parlement contre la politique d'Emmanuel Macron. En se présentant à la présidence des Républicains face au grand favori Laurent Wauquiez, le jeune député veut d'abord faire campagne auprès des siens. Je veux parler aux gens qui veulent vivre quelque chose. Moi, je veux aller parler à ceux qui n'ont même plus d'élus, même plus de permanence, et qui ne voient jamais passer un mail de leur parti uniquement seulement pour leur demander de l'argent pour financer les campagnes électorales. C'est cela qui m'intéresse. Ce souverainiste veut faire cesser les divisions, les batailles de clans ou d'écuries. Il parle de compagnonnage et veut réunifier la famille de droite. C'est ce où c'est qu'il va. Voilà, il a les pieds vraiment sur terre et c'est pas les mêmes républicains qu'on a aujourd'hui de l'autre côté, quoi. Moi, je vous dis, il n'a pas lâché le navire quand ça a été mal pour Fillon. Il a continué dans la même direction que les autres. Ils se sont tous barrés. Un grand pique-nique pour fédérer les amis politiques, s'assurer du soutien des élus locaux et monter en puissance. Je suis d'ailleurs le seul jeune député de cette course. Et je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que la nouvelle génération d'élus nationaux de ce pays prenne en main le parti. L'élection du nouveau président des Républicains aura lieu en décembre. 6 candidats sont en lice. Julien Aubert veut renforcer la fibre gaulliste et asseoir sa notoriété.